Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner cette housse pour faire à lisser. Vous aurez besoin de 6 bandes de 27 cm sur 5, 6 bandes de 27 cm sur 7 et 7 bandes de 27 cm sur 7. Il faut assembler dans cet ordre la bande à motif, la bande à poids et la bande unie. Ici, on a 7 bandes, ici 6 et là 6 également. On assemble avec un décochement de 3 cm à chaque fois. On place endroit contre endroit, on pique et on fait bien un point d'arrêt au début et à la fin. On ouvre la couture. Et on enchaîne l'assemblage avec la bande unie. On ouvre la couture. On assemble toutes les bandes suivantes dans le même ordre avec à chaque fois un décochement de 3 cm. Une fois que tout est assemblé, on donne un coup de fer. On va ensuite recouper la bande obtenue. On va couper cette bande en trois parties. Il faut tracer une ligne droite ici et à partir de la ligne, couper un morceau de 37 cm, un deuxième de 37 cm et le dernier de 21 cm. Ici, j'ai 21 cm sur 19. Ce morceau-là, on n'y touche pas. Ces deux parties-ci font 37 cm de longueur et on va les recouper pour obtenir deux morceaux de 14 cm de largeur. On a obtenu les deux parties extérieures qui font 14 cm sur 37 et la poche. Ne jetez pas les bandes. Vous aurez besoin d'un autre morceau de 21 cm sur 19. Il faut placer les deux morceaux endroit contre endroit et piquer sur toute la longueur en haut et en bas. On passe sur l'endroit. On donne un petit coup de fer et on fait une surpiqûre en haut. On place une première épingle au milieu des 20 cm et ensuite de chaque côté de cette épingle, on prend un repère à 6 cm. On se sert du repère à 6 cm pour former deux plis de chaque côté d'1,5. Je reprends la ouatine et je vais y épingler mes morceaux et couper tout autour. Il faut maintenant surpiquer de chaque côté de toutes les coutures. Sur une des deux parties, on vient placer la poche où on a préparé le soufflet. On la place à 3 cm du bas et on épingle les côtés. On pique d'abord le bas pour maintenir les soufflets. Il faut ensuite piquer les côtés. Au centre, on place un bouton pression. La poche est ici, on place maintenant endroit contre endroit et on assemble sur trois côtés.
Une fois piqué, on dégarnit les angles. Et on retourne. On reprend les deux bandes et on va couper des morceaux de 13 cm. Il faut 3 morceaux. On les assemble entre eux sur la longueur. Une fois piqué, on ouvre toutes les coutures. On donne un petit coup de fer. On recoupe pour obtenir un morceau de 11 cm de haut sur 12 cm de large. Vous aurez besoin d'un deuxième morceau de 11 cm sur 12. Il faut les placer endroit contre endroit, épingler. Et on va assembler en arrondissant deux angles. Avant de retourner, on dégarnit. On va placer le rabat au niveau du dos, l'endroit du rabat contre le dos. On le centre bien, on épingle et on pique. Pour la partie doublure, vous aurez besoin de deux morceaux de 38 cm sur 14. On place ces deux parties endroit contre endroit. On épingle et on assemble sur trois côtés en laissant une ouverture de 10 cm sur un côté. On dégarnit ensuite les angles. On glisse ensuite les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On épingle et on va assembler tout le tour. Et ensuite, on retourne. Il faut refermer l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Et on va poser le deuxième pression ici. On pose la première partie du pression à 2,5 cm du bord, bien au milieu. Et on pose la seconde partie du pression sur le rabat à 2 cm bien au milieu. Une fois le bouton pression posé, votre housse pour fer à lisser est terminée. À vos machines!